Crécoum, Lova, Niels, Samuel Marie a occupé la première place dans la catégorie classe de français langue seconde à la dictée PGL. La Conassure a fait sa rentrée annuelle et le lycée moderne de Vavois a tenu ses Olympiades. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La personne qui est en première place de cette grande finale pour les classes de français langue seconde, il s'agit de Léovan, Niels, Samuel, Marie, Crécoum. L'élève Crécoum, Lovan, Niels, Samuel, Marie a occupé la première place dans la catégorie classe de français langue seconde. Il est issu de l'école Le Petit Royaume à Cocody-Bonouma. Le concours international de dictée PGL, également connu sous le nom de la dictée PGL de la francophonie, est une compétition annuelle qui vise à promouvoir la langue française et la culture francophone. Elle est organisée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et a pour objectif de mesurer les compétences en orthographe et en culture française des participants. Léovan repart d'ici avec une bourse d'études de 2 000 $. Félicitations. Merci beaucoup. Ça va? Ça va pas, Kid. Santé, sexualité et reproduction des personnes en situation de handicap, accident vasculaire cérébral, voici entre autres les thèmes qui ont meublé la journée de sensibilisation sur la santé des personnes en situation de handicap. Initiée par le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, cette activité, selon la présidente de l'ONG, vise à lever un coin de voile sur la situation sanitaire des personnes vivant avec un handicap en Côte d'Ivoire. Nous avons remarqué que dans les centres de santé ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Et ils sont laissés pour compte aussi quand ils sont malades, qu'ils vont à l'hôpital. Et nous avons organisé cette journée pour voir aussi les facilités, l'accès aux soins. La poliomyélite étant une cause importante d'invalidité dans le monde, un accent particulier est mis sur la vaccination, qui est le premier moyen de prévention contre cette maladie des enfants de 0 à 5 ans à travers un outil numérique, l'OPI-SMS, qui figure dans le carnet de vaccination électronique. Pour les rappels, c'est automatique. Pour les rappels, c'est automatique. Une fois qu'ils sont, ils ont souscrit à nos services, une fois qu'on part ensemble dans ce, à ce niveau-là, le moment qu'on souscrit, vont recevoir les messages de rappel 2 jours avant le rendez-vous. Voilà. Pour les enfants de moins d'1 an, nous avons près de, à la naissance, un vaccin en fait, 1 mois et demi, un vaccin en fait, 2 mois et demi, 3 mois et demi, 9 mois, 15 mois après, jusqu'à 23 mois. Et tous ces vaccins sont gratuits, n'est-ce pas, pour le programme élargi de vaccination. Donc, une fois que la personne a souscrit à nos services, recevoir ces messages-là, à temps, ne pas oublier de faire le vaccin. Ne pas aussi exposer l'enfant à des maladies qui sont évitables par la vaccination. Pour cette ONG, la lutte pour un mieux-être des personnes en situation de handicap passe par la connaissance de leurs droits, d'où la tenue très prochainement d'une conférence sur les droits des personnes handicapées. Sur la poitrine, il chante à l'unisson l'hymne national en signe du patriotisme qu'il témoigne à la nation. Une valeur sur laquelle s'appuie la Coalition nationale pour le sursaut qui a mis sur la table à des discussions la question de la cohésion, de la réconciliation nationale et du patriotisme à l'occasion de sa rentrée annuelle. Il apparaissait important de rassembler toutes les filles et tous les fils autour d'un désir commun qu'est la mère patrie pour défendre les institutions de la République ainsi que ceux qui les calment contre toute forme de dissension pouvant mettre en péril la nation d'Ivoire. Placé sous le thème « Quelle contribution au maintien d'une stabilité politique nationale durable ?», un panel a été animé sur la responsabilité de chaque citoyen à l'approche des élections présidentielles de 2025. La force de notre pays, c'est la pluralité des ethnies. On a 64 ethnies, c'est difficile. Quand nous étudions la guerre au Rwanda, c'est parce que c'était 2 ethnies. Ça a été plus facile. Il y a 1 million de morts dans l'espace de quelques mois. On a une chance. On a une hymne nationale. Tout à l'heure, on l'a chanté. Comment j'ai chanté l'hymne nationale? Je ne pense pas à Ouattara, je ne pense pas à Bédié, personne, je ne pense pas à Bago. Je pense à ma Côte d'Ivoire parce qu'ils vont tous passer.
après ce pays va diminuer. Plusieurs actions seront projetées par la CONASUR, entre autres le Festival des Alliances Interethniques et les Journées Portes Ouvertes des Actions Républicaines. Au lycée moderne de Vavois, dans la région du Haut-Sassandra, des élèves, enseignants, encadreurs et administrateurs ont été primés pour avoir été les meilleurs durant l'année scolaire. C'était à l'occasion de la première édition de la cérémonie d'excellence dénommée les Olympiades scolaires 2023-2024. Les beaux discours, c'est fini. Il faut de la pratique pour aussi aider maintenant les enfants, les primer, les mettre en compétition et leur faire aimer l'école. Voici les objectifs que nous avons. Aux enfants, nous demandons, aujourd'hui, il y en a qui sont primés, d'autres ne le sont pas. Ceux qui sont primés, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est la fin, qu'ils continuent le travail. À ceux qui n'ont pas été primés, qu'ils tournent d'ardeur, qu'ils étudient, qu'ils écoutent beaucoup les encadreurs que nous sommes, et je crois que ça ira mieux pour eux. Nous avons effectué une année scolaire, et en fin d'année, c'est tout à fait normal qu'on fasse une évaluation. Pour le moment, c'est une évaluation à mi-parcours, en tenant les résultats du bac du BC. Mais il était pour faire une évaluation à mi-parcours déjà et célébrer les élèves qui ont bien travaillé afin de motiver les autres à suivre cet exemple-là. Donc nous avons initié ces Olympiades-là pour pouvoir célébrer l'excellence. Les élèves, parents d'élèves et cadres de Vavois saluent cette initiative du lycée moderne de Vavois. Tout ce qui touche l'éducation, pourquoi nous sommes aujourd'hui cadres, pour qu'ils soient cadres, nous sommes des élèves. Donc c'est une obligation morale pour chaque fils et chaque fille de pouvoir participer à cet appel du lycée moderne de Vavois, à l'effet de pouvoir accompagner les enfants de Vavois pour qu'ils soient des cadres aussi demain. Je suis très heureuse, je suis contente. Moi, ce n'est pas permis à tout le monde. J'appelle mes camarades à étudier, à mettre leurs études en premier, à se concentrer en classe. Les Olympiades 2023-2024, c'était aussi l'occasion d'appeler les cadres et anciens élèves du lycée moderne de Vavois à soutenir les actions du lycée afin de garantir une bonne formation des élèves. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci. Thank you.